Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure évidemment sur God of War avec l'épisode, si je ne m'abuse, 14. Comme d'habitude, un petit j'aime et un petit commentaire, merci à tous ceux qui jouent le jeu, ça fait plaisir pour le référencement de la vidéo, mine de rien. Je vous propose de la 4K 60fps, n'hésitez pas aussi à en profiter, c'est toujours très intéressant. Et let's go pour la suite de notre folle aventure. C'est parti, je peux vous dire que ça va swing. Allez, toi. Putain, mais le feu noir, ça, je le connais. Hop. Et voilà. Ça, c'est cadeau, c'est lui qui régale. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est tépé le feu. Ok. Mort. Lui, il est balèze, lui, hein. Ok. Allez, mort du premier coup et mort dans le fil. Coupé en deux. Rien de mieux pour commencer une bonne vidéo, je te le dis, mon petit pote. Let's go. Retrouvons-nous de l'autre côté. Bah, tire, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, mon tir? À part partir à tir larigot? Double jeu de mots? Oh, tricheur. Oh, t'as vu comment il saute? Tricheur, frère. T'es mal comment il triche, lui. Ok. 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 Je n'ai pas part. Il commence à comprendre. Je n'avais jamais vu les elfes blancs contrôler le temple à ce point. Nous n'y sommes pas pour rien. Ils ont dû désigner un nouveau gardien du temple. Le remplaçant de Svartalfheim. Le roi des elfes noirs. Il doit être dans la lumière. J'ai le seum. Allez. Oh, je vois. Tout est question de précision. Ok. Parfait. Ok. Et je peux passer par ici, c'est ça? Simple babiole. Ce mystique ne nous a pas vu. Il y a de la pierre de nuit au sol. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ok, non, mais non, c'est de là où je suis. Très bien. Très, très bien. Vas-y, mon tir, montre-moi la voie. Oh, je voulais lui faire un petit effet. Je voulais voir si on pouvait briser la nuque par derrière. Il s'avère que. Et on l'a quand même sabré en deux et ça s'est. Continuez par là. Ah, attends. Y'a rien d'autre là? Ok, go. Ah, je voulais faire un petit brisage de nuque surprise, mais dommage. Il propose pas cette petite fonctionnalité qui aurait été très intéressante. Faites ce que vous avez à faire. Elfe blanc sur la gauche! Merde. Super, on récupère sa vie au calme avec beaucoup de haine. Grosse boule de lumière en approche. Ok. Hop. Éclatage de gueule et on récupère de la vie. Merci, au revoir. Toujours pas comment il crée ses ponts. Regarde cette statue, ces cristaux. Je les ai vus sur les elfes aussi. Ok, on va pousser ça, genre vraiment? En même temps, c'est Kratos, y'a plus rien qui m'étonne. Ah! D'accord. Oh, les cristaux créent toujours des ponts de lumière, et les elfes blancs les portent. Malin. On y est presque. Je m'en charge. T'es un tricheur, toi. T'es un tricheur. Je me demande s'il ne prend pas pour vandalisme. Bientôt, vous le verrez s'en prendre à la poterie. Peut-on continuer? C'était très drôle. Ok. Pourquoi toujours créer ces épreuves irritantes? Tu le sais mieux que nous. Je ne
me rappelle pas la dernière fois. Et je n'en ai pas envie. Donc, 1, 2. Là, on a les deux lettres. Je check, hein, parce qu'on a un petit... On a peu de temps. Oh, ça se prend. Alors, ok, un coffre gratuit. On a déjà deux lettres sur trois. Faut trouver juste la troisième. Et puis, on est ok tiers, en vrai. Faire forger, superbe. Ok. Hop, on se casse. Donc, un... Attends, je suis fou, quoi. Où est le coffre? 1, 2... Regarde, là-bas. Ouais, mon ref. Un message. Rien n'est jamais simple avec eux. Alors attendez. Attendez, ok, elle est là. Super bon. J'ai les trois lettres, c'est parti. Salopard, c'est chaud. Bon, attends. Je crois qu'il faut juste être un peu plus rapide. Sur ta gauche! Ok, bien wesh. Hop, soulevage en frais. Regarde pas! Ok. Oh, ils m'ont mis mid-life, j'ai le seum. Très bien. J'ai un seum de ouf. Attends. Ok. Ça sera mal. Allez, dégage. T'es nu à chier. Attends, attends, attends. Attends, attends. Let's go. Oh putain, mais y'a quoi encore, frère? Ça se fait couille. Allez, dégage et tu me redonnes de l'or, d'ailleurs. Putain, c'est il pas en vrai. Reste qu'un. Non mais c'est pas vrai encore. Et ça je n'arriverai pas. Mais laissez-moi tranquille. Oh, il m'a fait trop peur. Okay. J'ai un putain de trésor qui m'attend. Et ils font les gamins, frère. Ok. Bien wesh, à moi. Eh ben. Laissez-moi tranquille. C'est pas vrai. La vache, plus gros forceur de l'année, elfe blanc, frère. Terrible. Ok, bah voilà. En plus pour une pomme. Maintenant il en faut 3. Oh shit. Here we go again. Vache, 3. 3 les gars. Je pense qu'après c'est la dernière fois qu'on augmente encore sa vie parce que frérot, ça dépasse l'entendement ces conneries. Ok, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mieux que dans mon souvenir. D'accord, il y a un truc à actionner ici, je suppose. Il manque un truc pour que ça fasse le tour, c'est cela. D'accord.
Ça, si on ouvre, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça veut dire que c'est ouvert. Superbe. Y a quelque chose à faire derrière, les amis. Y a quelque chose à faire, à moins que c'était juste pour tuer les mecs, ce que je ne pense sincèrement pas. Ok. Là, c'est ça. En fait, y a rien à faire. Superbe. En fait, y a rien de plus à faire, je crois. On peut se casser. Bah écoutez, je pense pas avoir du bof. Donc on verra bien. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé un truc à faire ici. Il y a de la pierre de nuit sur le bouclier de la statue. Il nous faut un autre angle. Là, peut-être fort agréable. Allez, dégage. Pourquoi j'ai fait ça, moi? En vrai de vrai. Posons-nous les bonnes questions, cher amigo. Ok. Ça, on peut casser. Non. Très bien. Bon, je pense avoir trouvé. Oh, attends. Non, c'est pas là. Sûrement d'ici. Non, je ne sais pas. Ok. Mais la question que les Français se posent. Attends, quel est mon objectif là concrètement? Ah, le cristal il est là. Donc je suppose que. Faut que je sois là-haut, c'est ça? Là-haut. De manière à parfait. Le bouclier a bougé. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ok. La statue coince au niveau de l'aile. Très bien. T'as l'air bon. Eh ben, mon petit pote, faut se donner maintenant, frérot, hein, dans les énigmes, hein. Ok. Ah, ouais. Lors de notre dernière visite, nous avons tué le roi des elfes noirs. C'est malheureux. Je me demandais si c'était le roi des Vardalik. Nous devions nous défendre. Mais en mourant, on nous a dit que nous avions aidé le mauvais camp. Bon travail, mon frère. Par ici. Nous y sommes. C'est pas évident, hein. La vache. Les amis, c'est... Maintenant, ça va être... 20 minutes d'énigme, sa mère. C'est terrible. Allez, yo les gars, ça va ou quoi? Ah, la liberté est dehors. Il n'y aura pas besoin de faire des ricochets par PC, Atreus. Oui, je crois. Mais c'est peut-être la tempête. Peut-être pourrons-nous aller voir, une fois que nous aurons découvert cette mystérieuse prophétie. Ok, on retourne en intérieur, j'ai rien dit, j'ai parlé trop vite. Là, la salle centrale nous conduira au sommet. Quand nous aurons franchi cette énième porte de lumière. Ok. Très bien. Très bien. Oh non. Il est où le Crystals? Alpha. Bien.
ça c'est embêtant. Il y a une pierre de son là-haut. C'est du plus bel effet avec cette pierre de nuit. Les elfes blancs sont doués pour la décoration. Ok, j'ai. Elle est du mauvais côté. Elle est du mauvais côté, oui, non ? Mais t'as raison, elle est totalement du mauvais côté. Peut-être quand... Permettez-moi de vous aider. Ah bah ça y est, t'es vivant, quoi. Fallait juste attendre. L'angle m'a l'air bon, Kratos. Alors attends. L'angle a l'air bon, l'angle a l'air bon... L'angle a l'air bon. Les gars, je sais même pas ce qu'on vise, là. J'ai même pas où est la pierre, frère. Oh la vache! Il y a pas de quoi. Mais alors ça, ça sert à quoi, je... Ah, la lumière d'Alfheim. C'est magnifique. Il y a un coffre ici. Je commence à comprendre des choses. Et il y a un truc là-haut. What the fuck, les amis? Ok. C'est bon, j'ai compris. Ne laisse rien passer. Terrible. Sans limite. De quoi parle-t-on? Pouvoir? Richesse? Ambition? C'est un peu bas. Eh ben... Eh, ça compte, on crache pas dessus, je vous le dis, hein. Du cuir brut. On crache pas dessus non plus, je vous le dis. Vache, y a des pierres partout. Il y a des possibilités infinies dans le level design. C'est assez impressionnant. Ça fait même presque peur, pour être honnête avec vous. Parce que j'ai l'impression de passer à côté 4 milliards de choses. Même si des fois c'est pas le cas, évidemment, parce que je me prends trop la tête, mais enfin... Bon, on a le principal, on a en tout cas ce qu'on peut voir à l'œil nu. Ça, c'est beau. Le reste, on l'a pas vu, c'est que... On a rien loupé. La dernière fois, j'entendais ma mère dedans. Mais plus maintenant. Son âme et la lumière sont unies. Liées par des forces plus anciennes, Coda. Elle est en... Je l'espère. Grand-père est entré dans la lumière. Il a dit que... Tu es entré dans la lumière d'Alfheim ? Oui. Pourtant, tu es là, saint d'esprit et absolument pas calciné. Je veux l'entendre, Kratos. Qui as-tu vu ? Je ne partagerai ce souvenir avec personne. Mais ce fut très fugace. Ça ne m'a pas paru si fugace. J'étais piégé. Atreus a bravé le danger pour me sauver. Je ne peux que l'imaginer. Bien. Okay. Le triptyque de Groa nous attend. Ça sent un gigaboss. La vache. Donc tu as déjà rencontré Groa ? Plusieurs fois. Mais elle souffrait de visions constantes. Les discussions étaient... difficiles, si je puis dire.
L'autre, il a des yeux en OLED, mon ref. Ça fait de la lumière et tout, c'est terrible les dieux là. Eh ben. Nous y sommes presque. Terrible ce qu'on a vécu là. Ils ont redécoré l'endroit. La dernière fois, il y avait de la substance elfique partout. Et tellement d'elfes noirs. Ok. Tout ce temps, j'ai cru que le roi des elfes noirs. J'ai cru que les elfes noirs étaient. Tyr ? Oui. T'ont aidé le mauvais camp. Es-tu certain que c'est la bonne question ? Quelle est la bonne question ? Y a-t-il un bon camp ? Exactement. À ton avis, Atreus, y a-t-il un bon camp ? C'est stylé, ça. Et c'est très très drôle. Je ne sais pas. Alors garde-toi d'en choisir un. Ok. Bagarre ou pas bagarre ? Ah oui, je me souviens d'ici. Ouais, je me souviens de ouf. Avec un grand pont plein d'elfes et tout. Bon, c'était pas là exactement, mais je me souviens de, voilà. d'Alfheim finalement. Ah, vous êtes tous là. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il fout là, le con ? Qu'est-ce que tu fous là, mon ref ? Héro, t'es bizarre, toi. Encore des je restes de bêtes. Tu crois au destin, Sindri ? Oh, bien sûr que non. Crois-tu que je me laverais autant les mains si je pensais que mes actions n'ont aucune conséquence ? Il n'y a qu'une chose qui puisse déterminer notre façon de vivre, et c'est nous. C'est beau. Tout ce que tu voudras. Oh, il y a du niveau 3, c'est fabricable ! La vache. Ok. Le problème, c'est que j'ai tout amélioré, donc on va attendre les niveaux 4, je pense. On va attendre au calme les niveaux 4 et on verra ce que ça donne. La suite de notre quête est à droite, néanmoins, là-haut, j'ai vu quelque chose. Et moi, vous savez que je suis un petit filou. Et qui dit petit filou, dit petit coffre. Juste là. Oui, mais il y avait un coffre d'énorme ici, l'autre fois. Ah, et ben, il a dû être déplacé. Très bien, ça me plaît. Bon, bah, on va voir cette, cette fameuse fresque. Et après, on aura sûrement la suite d'une révélation. Et on pourra savoir quoi faire ensuite. Il y a moyen, il y a un monde où Tyr, il redevient con. Hein. Les géants ont toujours aimé cacher leurs secrets au grand jour. Attends un peu de voir ça. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau ? Ah oui. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver. Méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Une vision du Ragnarok. La vision de Groa est parvenue à Oda. Il l'a fait quérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Le bois de fer ? C'est le... Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le sanctuaire mystique des géants. Curieux. Il est à Jotunheim ? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel. On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Jotunheim, tandis que son âme trouverait la paix dans la lumière. J'imagine mal Oda respectant sa volonté. Le champion. Je crois que c'est censé être... moi. Tu présumes trop. Oui. Mieux vaut ne pas prendre ces allégories au pied de la lettre. Les prophéties sont trompeuses par nature. Quoique... certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui. La fin de toute chose. Alors c'est fini.
n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Ce doit être possible. Pourquoi cacher cela, sinon? Regarde! Tire! Voilà ce qu'on a vu. C'est toi, combattant au Ragnarok. Non. Je ne peux pas. C'est quoi, ça? C'est nouveau. Asgard est détruit. Mais pas les autres royaumes. Évidemment. Odin se base sur une fausse prophétie. Alors, on peut gagner le Ragnarok. On peut battre Odin. Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tyr qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de Hel. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner. Tyr. Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. Mais on vient de te voir. Non, Atreus. Tu te trompes. Viens. Nous avons à parler. On n'empêchera pas le Ragnarok, mais on peut le gagner. Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Il doit y avoir un autre moyen. Pourquoi il a dit il est temps? Est-ce que Kratos sait quelque chose qu'on ne sait pas? C'est bizarre. Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. D'accord. Attends. Écarte-toi, mon fils. Hop. C'est coupé en deux. Chacun sa moitié. Et ça dégage. Ok. J'ai de la force sur moi. Je sens la force m'envahir. Ok. Lui, ça a pris deux fois. Sur ta droite. Allez, ça dégage. Redonne-moi de la vie, s'il te plaît, parce que là, je suis très énervé. Oh putain, c'est là que j'aurais dû faire ma technique de l'âge qui ricoche. J'ai le seum. Et merde. Morte. Rembrance terminée. Tuer des elfes blancs. Qu'est-ce qui se passe? Let's go. Let's go sur moi, boss. Non? Qu'est-ce que je fais là? Cauchemar! Plan gauche! Ok, très bien. Ok. Attention à gauche. Vache. Très très fort, ça c'est très strong. Quelle force. Ok. Miskin. Bon, pas mon fils.
Ok. En bas. Ouais, 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 j'arrive. Ouais, 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 on y va. Par ici. Regardez ça. Derrière toi, merde! Il est mort en nuit. Ok, j'ai trop peur. Ok, on va passer ici. Attends-vous avant que d'autres n'arrivent. C'est ici. Ok. Ne t'en fais pas pour moi! Mort. Bon! Les amis. Il est vraiment nerveux. Tu penses qu'il va bien? Concentre-toi. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On est bientôt au puits de lumière. Ça va être insane dès le prochain épisode. Gros bisous tout le monde! A bientôt pour la suite de notre aventure dans l'épisode 15. Bye bye.